Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve aujourd'hui pour les chroniques de Halo. Et sur le jeu Halo Infinite, on va se présenter maintenant pour cette mission, aller dans cette structure Forerunner. Ça s'appelle la mission Spire, avec un Warthog un petit peu cassé et quand même un collègue Marines avec nous sur la tourelle. Pour se diriger là-bas, aller effectuer cette mission. Le briefing est ici. Voilà. Pénétrez dans la structure Forerunner. Lancez-vous aux trousses de cet augure dans cette étrange structure Forerunner. C'est bien là qu'on va aller. Et donc, on va positionner un petit repère. Il faut qu'on... Ouais, on peut pas y aller directement. Il faut reprendre la route et traverser le pont. C'est parti. Là, c'est ici qu'on a tué notre dernière cible. Bah, attendez, où est la carte là? Ah, c'est ça, faut qu'on continue à allonger. Non, faut surtout passer par là et récupérer une vraie route. Ouais, ça fait une petite cascade, c'est sympa. Donc, allons voir ce qui se passe dans cette grande structure. Si on en a terminé ici, Major, je serais d'avis d'aller jeter un œil à l'intérieur de cette structure Forerunner. Oui, bien sûr, et on y va. Cible éliminée. Allez, cible éliminée, il y en a d'autres. Par exemple, il y a lui, là. Voilà. Pas de répit pour ses ennemis. C'est bien, il a fait le job. Et là, il y a des copains là. Et ici... Regardez, c'est le major. Allez, il y en a un qui vient en passager là. Bah alors. On s'approche de lui. Non, ils veulent pas. Ils restent ici. Bon, bah écoutez, dommage. Hein. Ça aurait été bien qu'il y ait une option dans le jeu quand même pour les faire venir là quand on croise des Marines. Ils veulent pas bouger, tant pis pour eux. Nous, comment on va y aller là-dedans? Faut aller où là? À droite ou à gauche? Alors. On est là, la structure est là-bas. Oh putain, il y a plein de montagnes à traverser, ça fait chier ça. Ouais, c'est un petit peu délicat pour rejoindre cet endroit là. Ou alors ici, il y aurait un passage peut-être? Bon. Il va réussir à le dégommer là, ce ghost. Voilà. Donc inutile de passer par là. C'est pas possible, hein, si je ne m'abuse. On va pas retraverser cette zone. Donc on ne va pas à droite, on continue notre route. Ah, ça fait un petit peu de balade, quoi. T'arracher les bras pour jouer des bongos sur ton crâne.
Voilà, on devrait pouvoir aller passer. Non, on va continuer la route. Quoique. Attendez, il y a un truc là-bas. Vous avez peut-être pas remarqué, mais ils ont des véhicules. Ça, ah ouais. C'est mon arme. Ah ouais, d'accord. Qui nous a tués là? Ah ouais, quand même. Ok. Ben écoutez, on n'a pas vu d'où venait le tir. Quelle était cette énorme arme qui nous a bien dégommé? Donc, il nous repositionne où? Il nous repositionne là. Je sais pas si on peut passer par le haut là pour aller dans la structure. Attention, les ghosts arrivent. Véhicule barrière en approche. C'est là-haut qu'il y a quelqu'un qui a un super tir là. On tire dessus. Ah, j'en connais qui ont peur de pouvoir radier. Débarrasse-toi. Il est abattu. C'est lui là qui nous emmerdait. Allez, détruis-le, ce gosse-là. Putain, on a failli. Allez, s'exploser dessus. Ok, bon, c'était simplement pour faire le ménage. On n'a plus de roue. On n'a plus de roue à droite. Regardez-moi ça. J'ai le canon. Mais on peut encore l'utiliser apparemment. Oh, mais il y en a partout masque, de ces ennemis. Que ça. Alors, on y est ou pas là au passage pour passer. Oui. Je pense que c'est là. On est alliés, je fais n'importe quoi dans les déplacements. C'est pas une voiture de course, mais ça ira. Pourquoi il est parti? C'est mon arrêt. Passez devant, Major. Ce siège est réservé. Un petit sapin qui nous emmerde. On va pas se mentir. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette structure Forerunner. Allons voir ça. Ok, donc on est en train de faire n'importe quoi, on est bien d'accord.
Allez, j'espère que là c'est la bonne route parce que ça commence à être un peu chiant. Où est-ce qu'on peut passer en dessous là, la structure? Normalement, on devrait pouvoir y aller. Il doit y avoir un passage en dessous là. On s'embarque encore dans quelque chose de compliqué là. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir y aller en Warthog là-bas. Et puis tant pis, hein. On va y aller tout seul si jamais on ne peut pas pénétrer dans la structure Forerunner. Attendez, regardez, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est? Cosmétique déverrouillée. Ok. Il est parti où, mon pote? Je sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir monter là pour aller... ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on puisse monter là. Avec le Warthog. On va tenter le coup, mais bon. On y va. Allez, viens. Faut que j'aille le chercher, hein. Il veut bon, plus venir. Cessez le feu, Marines. Ah non, il monte pas avec nous, lui. Ok. Ok, et en plus, on se fait tirer dessus. Donc, bon, bah, il n'y a plus d'intérêt à avoir ce Warthog, hein. Allez, tant pis. Il fait mal ce truc là. Il est venu, hein, notre pote, quand même, nous aider. Voilà, c'est très bien. Il est mort ou pas? Non, il est même pas mort, je rêve. Alors, il y a d'autres armes ici, hein. On pourra peut-être... choisir un petit peu une fois qu'on aura tué celui-là. Et il y en avait un autre ici. Ok, qu'est-ce qu'on a comme arme dans le coin? Oh, il y a un beau petit choix. Parce que lui, il nous reste que 16% sur celle-là. Donc là, on va venir choisir. Celle-là, qui est pas mal. Il y avait le bazooka, hein, qui était intéressant aussi, mais bon. Allez, on se dirige sur le... Là, il pourra pas nous suivre, hein, le Marines. Mais à un moment, faut y aller quand même. Ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé la vidéo et... On n'est toujours pas à l'entrée de la structure Forerunner. Donc, on va y aller. J'arrête pas de penser au discours énigmatique de l'augure. Peu importe qui sont les éternels,
Cette structure Forerunner nous apportera sûrement des réponses. Ouh, regardez. Il y a du monde en bas, là. Spire, c'est parti. On peut peut-être virer le repère, hein, parce que on n'en a plus besoin maintenant. C'est exactement où on est. Hop. Et puis en fait, j'ai fait n'importe quoi parce qu'il me suffirait de venir avec ça, d'aller sur la base avancée, de faire un voyage rapide, et puis d'aller m'équiper et d'aller chercher des copains, quoi, tout simplement. J'ai bien tergiversé pour pas grand chose. Avec mon Warthog, j'aurais pu faire ça de manière réflexe. Alors, on a tout ce qu'il nous faut en munitions, ouais, c'est pas mal. Et c'est là qu'on utilise... qu'on utilise ça, sélectionner un Warthog qui va nous être livré. J'arrive avec le véhicule. J'espère que j'ai des Marines là dans le coin. Pendant qu'il livre ça, on va peut-être aller chercher un snipe. Parce que ça peut faire du bien quand même. Attendez, il n'y a pas le bazooka de disponible? Non. Ça, c'est les armes ennemies. On fait sélectionner. On en prend un. On récupère un petit snipe. Et on y va. Ils sont où, les gars? Ah, ils sont là. J'espère qu'ils vont venir, hein, cette fois-ci. Prends la tourelle. Ouais, prends la tourelle. Il n'y aurait pas un autre copain qui viendrait pour prendre autre chose? Ah, voilà, un autre Marines. Je suis à bord. Ah, voilà, une collègue qui vient. Très bien. Donc, on va pouvoir y aller. Je prends pas le chemin le plus facile encore, comme d'habitude. Tiens, il y a quoi là? Il y a Marines. Je suis prêt, on y va. Ouais. Ah ben, venez avec nous, on y va alors. On vous suit, Major. Ben ouais, mais ce qui serait cool, c'est de venir avec le véhicule là. Prenez ça. Aïe! Je tire! Ah, lui on l'a écrasé. Qui nous a dégommé comme ça? Ah, y a ça. Oh. Ah merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. À peine arrivé, il y avait un rayon, je pense. Il doit y avoir un Covenant avec un sacré rayon, là. Qui peut faire très mal. Et donc... Allez, on va y aller en mode un peu plus tranquille, peut-être. Ils sont où, là? Ah, voilà. Vous êtes même pas capable d'écraser un peu. Attention, c'est des alliés, ici. Bon, allez, viens. Viens sur ta tourelle, toi. Sniper brut, faites gaffe. Affirmatif. Spartan. C'est mon arrêt. Eh ben, s'il y a un sniper, on va regarder où il est. L'ennemi va se mettre à couvert.
Oh merde, il nous fait chier, obligé de dégommer du grognard comme ça. Ah, c'est lui là, non? Sniper éliminé, très bien. Ah, là, il y en a un autre là. Là, c'est une brute. Oh merde! Peut-être que là, on peut prendre. On peut reprendre ça. On se tire d'ici! Je m'occupe du canon. J'ouvre le feu! Je suis monté, on y va! Peut-être essayer de les prendre à revers un petit peu. Ridicule! Tu conduis comme tu tires. Grenade! On dégage! Eh merde! Ça nous a fait perdre nos amis, non? C'est toi qui as fait ça? Et on a deux... Ah non! C'est lui là. Donc la brute n'est plus là, mais le ghost là. Ah oui, il est là. Putain. Alors, il est où ce... Putain, on se fait toujours tirer dessus dans ce jeu. Pas la possibilité de se poser un peu. Elle est où cette brute? Il est là. Avant même d'entrer là-dedans, franchement. Lui, il est crevé. Ah. Bon, alors. Il y en a un ici. Voilà. Déjà, la brute en moins. Maintenant, il ne reste plus que ce vaisseau-là. Te stabilise un peu, je te dégomme. Voilà. Merde, trop. Alors, comment on monte là-dedans? Quelqu'un là, hein.
C'était le bon choix quand même, ce petit outil, ce petit sniper, hein, je pense. Ah, il y en a un autre là. On va se laisser un peu. Merde. Peut-être que là... Oh non, il y en a un derrière nous. On sait pas d'où ils sortent, c'est... Ah putain. Puis alors lui, c'est pas n'importe quoi. Oh là là. C'est qui ces types? Des chasseurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Oubliez ma question. Débarrassez nous deux pour que je nous fasse entrer. En voilà un moi. J'ai réveillé du monde ou quoi? Il est là. Il m'a pas vu, non? Si. Si on avait un petit bazooka, ce serait pas mal, là. Il lui a rien fait. Ça rebondit sur lui, j'ai l'impression. Haut de dos. Il ne reste plus qu'une munition là ou quoi? Et d'ici, on pourrait pas la voir. Bon, attention, il nous vise encore. Ok, pas le bon plan. Il est là. Est-ce qu'on peut zoomer, essayer de... Ah, là, peut-être que... Dans la tronche, ça pourrait être pas mal, ça. Et voilà. Vous avez vaincu... Il faut qu'on active l'ascenseur gravitationnel. Les deux chasseurs affectés à la base du Spire. Bon, ben, très bien. Très bien, très bien. Je pense qu'on va entrer là-dedans et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Recharger les armes cinétiques. J'ai vu des flingues là, pas loin. Qui pourraient nous aider. Voilà, c'était ça là.
Qu'est-ce qu'on a ici? Des armes. Oh, ça, ça me plaît bien, ça. Bulldog. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on est bon autrement? L'autre arme. On a de la munition. On a rechargé les trucs cinétiques. Les deux cadavres, ça là. On peut entrer dans la structure. Bon. C'est par ici qu'on peut y entrer, apparemment. Le protocole n'est pas paria, on dirait. Il est plus résistant que je ne l'imaginais. Un problème. Pas de problème. Eh oui, Spire pénétré dans la structure Forerunner. Eh bien écoutez, on a vaincu les deux gardes de chasse, c'est très bien. On va y aller, hein, rentrer dans cette structure Forerunner, bien évidemment. Je regarde juste s'il y avait... ben c'est ici hein, qui nous avait emmerdé. Oh, regardez. En voilà un de mort. Parce que on le fera dans la deuxième vidéo, l'entrée dans le truc. Là, je voulais revérifier un petit peu la garde qu'il y avait, qui était présente. Un gosse, le gars. Là, il y a un bout de Warthog. J'ai hâte d'éliminer le monde avec cette machine. Oh, regardez-moi ça. Je laisse tomber. Et merde, on est bloqué avec cette merde de moto de brute là. Ah, ça peut accélérer. En plus, quand on le roule dessus avec ça... Oh, ben voilà, ça le découpe. Voilà, je voulais faire un petit peu de ménage avant de rentrer dans ce truc Spire. Et c'est moi qui me fais dégager, d'ailleurs, par lui. Ça, c'est pas gentil, ça. Il m'a pris en pleine face, le gars. Donc, ouais. Pas évident. Mais en tout cas, voilà, avant d'entrer... Je lance une bombe. Ce véhicule ne doit plus emporter personne. Oh, mais que c'est compliqué à piloter ce truc. Il y a trop de rochers dans ce bordel. On l'a eu ou pas? Non, on l'a pas eu. Il a été plus résistant que prévu. Faut pas retourner dans la pierre, hein, surtout. Quel bon combat! Ah, il est là. Là, il y en a un. Là, il y en a un autre.
Hop. Vas-y, cède. Oula, lui il a fait un vol. Regardez-moi ça. Et donc là on s'est fait détruire là. C'était là-bas, en bas. Donc là il y a la possibilité d'accélérer avec ce truc. Oh mais je tombe. Cette moto, ce véhicule des bruits était vraiment particulier. Hein. On avait repéré quand ils avaient introduit ce truc-là. Dans Halo 2 peut-être, je sais pas. Très compliqué à piloter. Tiens, y a pas un... Ah ouais, y a un autre véhicule là qui peut être sympa. N'avais pas vu quelque chose là ici, une sorte de ghost. Ils sont morts ou quoi? Moi je les vois plus là. Ah c'était ça non? Tu s'en servir hein, il est complètement cramé le truc. C'était celui-là là que je voulais récupérer. Ah ben voilà. Ils sont là. C'est lui là qui nous est chié. Lui, il nous avait eu d'un seul shoot là. Là, il y en a un autre. Là, on l'a écrasé. Bon, bah là, je crois qu'on a vraiment fait le ménage. On va pouvoir se rendre donc à l'ascenseur comme prévu. Recharger un petit peu. Voilà, bobine, on s'en fout finalement. On a fait une réaction en chaîne. Il n'y a pas beaucoup de munitions là-dedans. Hein. Et là-dedans, il y a plus ou pas? Non, il n'y en a que 3. Bon, ben on va garder ça et puis entrer dans cette structure pour aller dans la suite de Spire. A plus tard sur les chroniques de Halo.